Ok, là vous devez m'entendre parce que c'est le micro de... Et là, je sais pas si c'est mieux. Là, normalement, c'est mieux. Me dites si c'est mieux au niveau du son? Osez. Ce que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un problème de son. C'est-à-dire, attends. On entend ta voix, ouais. Ok. Mais c'est genre comment, c'est genre elle est très étouffée, un truc du genre? C'est peut-être un problème dans les réglages son que j'ai fait, est-ce que j'ai changé mes réglages son? C'est arqué. Vous me dites? Bon, pour l'instant, on va juste commencer à passer à côté. De toute façon, si on m'entend, c'est à peu près ce qui compte. Hop. Un peu étouffé, ça coupe si tu parles pas. Oui, bah, si ça coupe, ça c'est normal. Justement, le principe, hein, c'est censé couper. Mais si c'est un peu trop étouffé, c'est qu'il y a un souci dans les réglages son. Faudrait que je vois comment je peux régler ça correctement. Allez. Hey. Non mais là elles sont bien. Là les ça va. Là oui. Bon. Allez, on fonce et on y va. Hop. Donc, je vais commencer par faire la verte. Ah si vous voulez la faire, allez-y. Hein. Y a pas de souci. Hein. Ah mais je sais à peu près ce qu'il faut faire de toute façon, donc ça devrait aller. À moins que vous voulez que je vous la montre. Allez. Ah bah oui, si tu gardes la caméra en bas aussi. Tac, tac, tac. On va avoir droit à une petite peau. Ah ok d'accord. Ah, il doit être... Ça va, en fait je suis pas souple du tout et ça passe. En vrai t'es suffisamment haut pour pouvoir pousser et t'es juste sur un écart à peu près comme ça donc ça... Ça va dépendre pour qui. Moi j'aurais tendance à dire que c'est du bac, il y en a qui vont te dire c'est horrible. C'est... Ça va dépendre des gens. Et après on va faire la petite jaune évidemment. Enfin, je pense qu'il va plus falloir chercher des croisés. Peux envoyer ta main directe, main droite. Faut que tu l'envoies en un coup. Vraiment dans l'idée, pour le mouvement que tu vas chercher, tu vas vraiment faire tac, tac. Et en fait, tu cherches à coller ton corps vers le mur. Comme ça, en fait, ça te laisse le temps quand t'envoies de repartir. Donc t'as beaucoup plus de temps pour aller chercher ta prise. Et ça y est, la con. Presque. Je vais essayer. Après, je vais faire la jaune, évidemment. Sur la jaune, je pense que là, on a moyen de pouvoir faire plus des mouvements de croisée. Très joli.
me fais engueuler par un caméraman, c'est incroyable. Faut le mettre en dessous, voilà. Juste en dessous, voilà, là. Et faites quoi? Non, là, ça va. Celle-là, elle est bien. Vas-y, je te filme. On va voir si tu as bien compris les enseignements. Normal, tu m'écoutes jamais. Là, tu matches. Tu montes ton pied. Tu vas chercher. Tu relances ton pied droit. Et là, tu ramènes ton pied gauche. Allez. Voilà. Et là, c'est tout seul jusqu'à la fin. Allez, allez. Lance, lance, lance. Elle est vraiment bonne. Voilà. C'est flash. Tu vois? Allez. La jaune. Oui, c'était pas du tout le move qui était attendu à la fin. Je pense que je peux la refaire avec le move qui est attendu sur la fin. Après, peut-être. En fait, il y a une prise qui est vraiment un skip. Alors, je vais l'essayer. Ah putain, je suis mal placé. Peut-être faut que je trouve le... Je pense qu'il faut que je parte plus sur le côté. Ouais. Ouais, non, je suis vraiment pas bien placé. En fait, elle est pas à saisir comme ça. Elle doit être saisie clairement de l'autre main. Ça veut dire qu'il faut que je parte avec l'autre pied. Voilà. Ah putain, j'ose tellement pas y aller. Non, je suis vraiment pas bien placé. Je suis vraiment pas bien placé pour la faire celle-là. En fait, il faudrait que j'aie le plus le poids sur la droite pour la caler. Oh, elle est bien sympa celle-là. Je pense qu'elle peut sortir, mais il faudrait que je replace. En fait, il faudrait peut-être que je ramène mon pied.
Trop tard. Ah ouais, là, je touche pas la caméra, là. J'ai mal au doigt. Déjà, le départ, j'ai trouvé le bon départ. C'est surtout ça qui est un peu chiant. Allez. Parce que là, t'es pas bien placé. Vraiment, le départ, tu vas chercher à faire ça, ça, ça. Et envoyer en plus d'un coup. C'est vrai qu'elle est un peu costaud. Il faut essayer de te mettre plus à gauche, sur la gauche en fait. Ouais. Pas grave. Bon allez, on va passer à côté. Bah non, en fait on passe derrière, je suis débile. Derrière, ça a été refait. Elle se fait bien celle-là. Oh putain. Bah comme tu m'as pas filmé, tu vas la refaire. Toi qui vas aller la faire, allez. Rendez-vous compte des caméras. Mais attends. Ah bah si. Ah bah si. Dépêche-toi, j'arrive. Allez. Et l'autre main. Mais si. C'est plein la difficulté des vertes. Faut l'envoyer d'un coup. Je venais de me déchausser. Vous savez quoi, je vais la refaire au sol. Comme ça, je rechausse pas. On commence avec les deux mains là. Pied droit. J'envoie mon pied gauche là. Je charge. Du coup, je peux me bloquer main gauche. Croiser. Une fois que j'ai eu croisé, je vais charger, envoyer ma main gauche. Monter mon pied. Aller coiffer cette prise là. Ensuite, je vais charger l'autre. Je monte le pied. Je monte, je rentre le genou. Et je vais chercher la prise de pied. Voilà. Ah non. Tu peux le faire. Non, c'est du dynamique là. Tu peux le faire. Non, vas-y. Faut juste y aller avec les bonnes mains. C'est juste un problème de main, chérie. Allez. Ouais. Bon, à côté, il est là. Allez. Les deux mains, comme ça. Ah, pied droit, sur la prise de départ. Tu montes, tu vas mettre le pied gauche sur la prise qui est à côté. Voilà. Là, tu charges bien. Non, justement, tu charges bien sur la main gauche et t'envoies la main droite. Voilà. Et là, maintenant, avec ton bassin, donc là, c'est vraiment avec le bassin, chérie. Chérie, regarde-moi. Tu vas faire. Tac. Tac. Et tu pousses, au moment où tu envoies, tu pousses le plus fort possible avec ton pied. On va la remontrer pour que vous ayez la bêta. On the wall. On the wall. Bon. Je rechausse. Je sais plus si la jaune on l'avait faite ou pas. Je crois que la jaune on l'avait faite.
Par contre, la jaune qui est à côté, elle, on l'a pas faite. On avait fait la verte. Bon. Je vous remonte la verte. Et après, on fera la jaune qui est à côté. Hop. Il est où le chat, chérie? Dans ta main, ok. Mais elles sont bien, leurs vertes. Allez. Je remonte, comme ça, madame voit le mouvement. On commence avec les deux mains. Et j'envoie ici. Et là, je peux croiser. J'essaie d'être le plus tendu possible sur les bras. Et ensuite, j'envoie. Là, je monte, je croise. Je rentre le genou pour rapprocher mon bassin le plus près possible. Voilà. Bon, du coup, faisons la chose à côté. C'est pas si haute celle-là. Tu l'avais flash et tu l'avais. Tu l'avais pas réussi, je crois. Je sais plus. Peut-être. Bon, bref, tu as ça, moi. La verte, on l'a déjà faite. Donc. On va aller par là-bas. Il y a la verte en face. Ah, mais attends, ils ont aussi refait là. La verte là est neuve. La jaune aussi. La verte aussi. La jaune qui est là, par contre, c'est pas neuve. Bon. On va commencer par faire la verte. T'as bien le chat? Oui, c'est parfait. J'ai eu peur parce que le pied là était vraiment pas bon. J'avais mal placé, j'étais en train de glisser, j'ai fait vraiment t'es le pied. Ah, mets-la vers le sol, je vais déchausser. Voilà. Pendant ce temps, madame va essayer de faire aussi cette petite verte. C'est plutôt tranquille. On va regarder ce que ça donne. On change des choses. N'oubliez pas un WikiFit. Allez. Bon, elle a pas fait les 3 secondes. Hein. Alors, c'est sûr qu'après être redescendu avec la jaune, elle va replacer ses pieds, c'est plus facile. Hein. Je suis taquin. C'est juste parce que j'avais la flemme. Ouais. Bon. Je laisse un peu reposer les orteils. Ça, c'est la roche qu'il est en train de faire. C'est la roche qu'il est en train de faire, le gars de Massy. C'est un gars du club de Massy, là. Là, juste en face. Et qui écrit Massy en doré dans le dos. Il est en train de travailler la roche que j'aimerais faire. Ah oui, il y a des enfants dans le club de Massy. Hein. Je sais pas ce qu'elle va faire. Ok, elle va sur une bleue.
bleue sur laquelle elle est en train de galérer. Oh, peut-être pas. Ah si. J'ai vu. Il y a moyen. Elle a quand même l'air plus dure que ce que je pensais, la rouge. Elle a l'air plus dure que ce que je pensais. Parce qu'il a l'air d'être plus à l'aise que moi et plus fort techniquement. Et il galère. Donc, on va voir. J'aimerais d'abord faire les jaunes et verts qui sont là. Ça devrait aller vite. Après, on verra. Hop. Allez, je rechausse. Et après, on ira boire un petit coup parce que madame a soif. J'avoue que j'ai un petit peu chaud aussi. En même temps, les températures sont en train de remonter. Elle est en train de me chanter licence 4, là. Je vous jure, ma copine est beauf, mais je lui le rends bien. Le charme français, non mais... Allez. Bon, je vais la lire pendant que je fais le bloc. Hein. Voilà. Ah putain. J'aurais dû prendre le téléphone parce que là... Ah, cette prise. Magnifique. Je vous explique en gros ce qu'ils ont fait en cette prise. Normalement, elle est creusée. Donc elle est censée être pas trop mauvaise. C'est du rouge. C'est du rouge, c'est du rouge. Donc la prise, normalement, elle est pas trop mauvaise en tant que plat quand on la prend par en dessous. Donc vu la posture, on n'est pas trop mal. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une réglette. Ils ont retourné, donc en gros, au lieu d'avoir la partie qui accroche de la réglette, c'est la partie lisse qui est mise contre le mur normalement. Ils l'ont mise dessus et ils l'ont vissée. Donc là, c'est plat en fait. Il y a juste un tout petit truc là pour mettre ses doigts, mais ça demande d'engager beaucoup plus loin parce que la prise, elle est en dessous. Là, vous la voyez, sur le volume. Du coup, faut l'engager si vous voulez la chercher celle-là. J'aurais dû me prendre le téléphone parce que j'avais vu la photo, Ludo il l'avait partagé, c'est là parce que c'est vrai que c'est. Ils se sont éclatés à faire ça. Bon, après on va faire la verte qui est à côté. On ira boire un coup pour madame et on ira faire les derniers trucs là-bas. Avant de passer du coup au projet rouge. Je sais même pas pourquoi je vous le crie, parce que de toute façon vous m'entendez, j'ai un micro. Hop. Dans le cadre ? Juste au bord. Nickel. Vous voyez, revenir dans le cadre, on n'a pas précisé où dans le cadre. Vous voyez, des fois, les cadreuses... Allez. Le pied-main de l'enfer. Laquelle? Non, celle-là, ça va. En fait, le problème, c'est que t'es pas bien placé du tout.
Là, t'es obligé d'envoyer le genou vers l'extérieur. Et tu dois tirer. Ah. On va attendre un peu, parce qu'ils sont en train de travailler la bleue, chérie. Pensons juste profiter pour lire la verte. Bon, je vois que la moitié est prise, c'est pas grave. Ouais, ok. Va être tranquille. Être tranquille. Oui, mais les gens. Au moins, je suis dans le cadre. Puis-je faire la verte? Bon. Alors c'est là maintenant que ça que l'atteignir se n'atteignir un peu. Ah oui, il y a une prise ici, ok. Hop là. Bon, la sortie était un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. J'avais même pas vu qu'il y avait une prise là. Allez, je veux des chausses. On va boire un coup. Comme ça, madame, elle est contente. Et après, on va aller faire le jaune et les verts qui sont derrière. Je crois que tout est neuf, d'ailleurs. Je crois que tout est neuf, là. Ah. Oui, on va voir un coup. Ouais. Ça m'a soif. Pas en même temps. Eh non. Regarde, je te filme toi. Parfait. Ah oui, je crois que c'est là que je peux faire le tâton de mi. Voilà. Bien. Comme ça, moi, je peux boire un coup et faire du bon bruit pour le live, là. Un petit live ASMR, c'est parfait. Oh, elle était... Bah, elle est pas tempérée, elle est plutôt fraîche. Mais c'est bon, je viens d'avoir de l'eau fraîche. Faut utiliser toutes les prises de couleur. Faut que tu passes par les jaunes. En fait, c'est jaune, vert, bleu, rouge, noir, violet. Merci. Voilà. Oublié de l'adhérence. On va décaler. Ouais, on va juste de l'autre côté. Elle met le pied de mon trépied dans mon pied. C'est beaucoup de pieds. Alors, on a tout ça à faire. Ça va être rigolo. On va commencer par la jaune, tranquille. Tac, tac, tac. C'est plat ou c'est creux, ça? C'est plat, ok. Hmm.
Ouais, la jaune, elle va être marrante. La verte, ça devrait aller. L'autre verte, ça devrait aller. Je vais regarder aussi un petit peu la bleue. Ce serait jouable, mais au saut. J'en chierais dessus, quoi. Bon. Allez. Hop. Je transpire beaucoup trop. Hop. La bleue là ? Oui. Peut-être. Le truc que je craignais un tout petit peu. J'ai le pied qui est beaucoup trop bas. En fait, le truc, c'est de trouver la bonne bêta. C'était juste trouver la bonne bêta. Et des fois, ça demande de prendre du recul. Là, il fallait comprendre qu'il fallait faire un crapaud. Le crapaud était très très bon. Il fallait comprendre, en fait je l'ai compris en reculant. Parce que la prise main là, elle est pas bonne, on peut pas tirer dessus vraiment. On n'est pas bien placé. En fait, c'est vraiment un plat de placement. C'est vraiment un plat où on doit se placer le mieux possible. Et là, en fait, en reculant, je lui dis en fait je peux faire pied là, crapaud, et en équilibre. C'est tout. Bon, la verte. Du placement pur et dur. C'est que du placement. Déjà la verte, hein. Le seul objectif d'abord du live, chérie, c'est de grimper les jaunes et les vertes. Après, on fait du rouge. Un peu de bleu dans le tas si on a envie. Je suis pas encore en fait assez à l'aise dans le bleu pour pouvoir vraiment en faire en live. Oui, j'en sors. Parce que c'est ma limite. C'est-à-dire qu'en fait, le bleu, quand je suis pas au top, je vais pas les flasher, je vais être pas bien dedans. Le rouge, je vais vraiment travailler. Tu vois. Là où du bleu, bah, ça peut flasher ou juste ça passera pas du tout parce que je suis pas en forme. Le rouge, ça ne passera pas si je suis pas en forme dans tous les cas, mais je vais apprendre des trucs et travailler. Eh. Allez. Allez. Faut tendre la jambe. Tirer avec. Oui, tu tends la jambe là. Tirer avec le bras gauche et pousser avec le pied droit. Allez. Fiche pas la frise blanche.
Elle est juste en dessous. Tu ne l'as pas à cette distance, en fait, elle est trop loin. N'hésite pas, si tu ne te sens pas à l'aise, à pousser avec ta main droite sur l'assiette, en fait. Pousse là. La regarde. Réfléchis à ma bêta. La verte. Encore, je te le dis, je le redis. Les jaunes et les vertes d'abord. Et après, on verra pour faire les autres. Mais je pense que vu l'heure, le temps qu'on finisse déjà les jaunes et les vertes, on ira dans le projet rouge direct. Ouais, bon, tant pis. Ouais. Dans le cadre, c'est bon. Il y aura la jaune là à faire. Et la jaune et la verte qui sont là. Toi qui vois si tu veux y aller. Moi j'ai des fausses. Ah, je me jure, elle me murmure des trucs depuis tout à l'heure, elle me regarde, elle fait. Après, elle me fait. Et c'est la bleue? Allez. Elle est bien cette verte, elle est tranquille. Oui, mais on verra. Déjà, il y a les jaunes et les verts, Thierry. Là, faut monter d'un coup dessus, comme une marche. Et là, tu peux vraiment te tenir debout dessus, lâcher les mains. Je sais même pas si jamais elle se fait filmer, là. Si, elle est encore dans le cadre, c'est bon. Ouais, c'est qu'elle est passée à côté aussi. Va falloir prendre un petit temps, chérie. Et croise pas. Le croisé, il est un peu chiant, là. Bah là, tu viens de croiser les pieds. Non, justement, c'est ça que je te dis. Alors là, faut ramener du coup ton pied droit quand même. Allez. Juste à la partie chiante, c'est qu'il y a les bleus qui sont un peu emmerdantes.
pour ça que j'ai envoyé en croisé, parce que ça me faisait trop chier d'essayer de placer ma main alors qu'il y avait les bleus. J'ai fait, oh, vas-y, flemme, et du coup, j'ai croisé. Allez. Pas les doigts dans les trous. Enlève-moi ce doigt de ce trou. Et à toi, l'étude, mets les doigts dans les trous. Bon. Passons à la jaune qui est à côté. Passons à la jaune qui est là. Ah oui, tu dois basculer complètement et envoyer. Ok. C'est pas très dur. Et elle demande de se replacer le bassin. Hop. Reste par terre pour l'instant. Oh, regarde bien, magnifique sacoche. Allez. Ouais, nickel. Allez. Bon, allez. Là, c'est vraiment du placement, basculer sur le côté, placer les pieds et monter. Mais c'est un peu dur quand on n'a pas l'habitude de bien placer ses pieds. Parce que bah, faut être précis. Et encore, pas trop, parce que là, ça va, c'est des grosses prises. Mais il faut basculer le corps, faut bien s'envoyer. Et c'est un peu dur quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est un bon moyen de travailler justement ce placement du corps. Donc c'est une bonne chose. Allez, on va aller à l'angle. On va pas aller à l'angle. Pas tout de suite. Non, donnez la verte. T'as une prise verte sous la grosse jaune. Sous la grosse jaune, en fait, t'avais une prise pied verte. Ouais. C'est trop tard maintenant, mais... Ça change quasi rien au mouvement, mais au moins t'es un peu plus haute pour le faire. Allez, bon, on passe sur les deux dernières. Et après, juste tester 30 secondes. Ça va être drôle. Bon. La jaune. Ouais. La verte. J'arrête. Ça va alors. On a le temps de faire ça et de travailler cette rouge. Mais on va peut-être du coup écourter le live. On va se dire 3 essais max dans la rouge et après, on coupe. On va juste enchaîner la jaune
et la verte. Et du coup, la verte. Ouais, faut que je ramène mon pied avant. Ah, je suis parti en arrière. Il fallait que je remonte la main. Il aurait fallu que je remonte la main. Et en fait, je me tire trop sur celle-là. En fait, je me tire trop sur le volume. Et ça, on filme pas les gens. On n'oublie pas un magnifique pied. Wikifit. On note. Il aurait fallu que je relance ma main. J'ai pas fait. On va la refaire après. Alors attends, parce que la madame qui est en train de filmer. Moi, je te dis, n'y va pas maintenant, parce que sinon tu vas passer devant la caméra. Oui. Fais des petits coucous en même temps. Fais des petits coucous en même temps. Bon, tu vas dans la verte? Tu ne veux pas me laisser une dernière chance d'y aller? Hop! Hop! Non, putain. Attends, je vais la refaire mieux parce que... Voilà, c'est juste moi qui suis plus haché que d'habitude. Pas pareil. Ah putain! Ah, j'arrive pas à placer mes mains comme il faut. Ouais. Bon, c'est pas grave. Cette verte, on l'aura pas non plus. J'ai pas la bonne bêta. Mais il y a une bêta en fait, c'est juste. C'est juste trouver la bonne bêta quoi. Allez.
Allez, pas dans les trous. Oh là là. C'est ça qui va t'aider. Bon. Ouais, mais t'as pas les trucs verts dessus, donc non. Ouais. Là, vu qu'il n'y a pas de flèche pour les mains, c'est que la main, elle est sur l'arête. Ah, les doigts dans les trous. Oh là là, elle est chiante à faire ça. Ah, les doigts dans les trous. Et elle continue. Hein. Ah non, mais elle est pas des poussins. Il y a une autre prise verte en dessous, la grosse prise jaune. Vous avez une prise verte juste là pour mettre votre pied. Et comme ça, vous pourrez monter le droit plus facilement. Merci. Elle n'est pas visible quand on est au-dessus, c'est pour ça. Bon, et après, on va partir sur la petite... Ah, là. Allez. Le problème, c'est que la main elle est trop basse et il faut la remonter. On ne peut pas la remonter à cause des prises bleues. Bon, c'est pas grave, partons sur la rouge. Allez, on va voir si, quand j'ai pas la forme, j'arrive à progresser quand même sur une rouge. Allez. Et là, j'ai le seum d'être grand. Parce que celle-là, elle serait un poil plus haut. Je l'aurais. Après. Déjà, la rouge. Là, je suis dans le travail de la rouge. Là, je vous explique pourquoi la rouge, là, elle est dure. Plus dure pour moi en tant que grand. C'est parce que comme la prise là, elle est proche. En fait, dès que je vais me retrouver là, je me retrouve dans une position où je suis en boîte. Et donc, pour aller chercher la prise au-dessus, puis vraiment là, ça passe pas trop. J'ai le bon pied, et ma main est pas bien. Je vais qu'il est peut-être plus dessus. Mais là, je vais pas trop tirer parce que ça tire un peu. Ouais, c'est un peu de repos. Je vais essayer. De trouver, voir si j'ai pas une autre bêta explosée sur le truc. Ah, mais là je pourrais pas la retenir, je vais être obligé d'être là. Ah,
Ouais, là je pourrais, mais ça va être costaud. Je vais essayer de tourner la main en même temps que j'envoie. Juste que mes doigts se remettent un peu parce que... Je vais essayer de mettre mon pied un peu plus haut. Ah putain, ouais, je crois que je peux l'avoir. En plus tranquille, avec de la stabilité, et en envoyant juste ce qu'il faut, ça peut le faire. Essayez, lave-le. Allez. Je vais déchausser pour ce temps-là, ça me laisse un temps de repos. Allez. Allez. Monte le pied. Voilà. Monte ton pied. Il y a une prise pour le pied droit, la prise main. Voilà. Là, tu matches. Tu envoies la main gauche. Voilà. Monte ton pied gauche. À droite, tu montes ton pied droit là où tu avais les mains au départ. Voilà, à droite. Et là, tu envoies sur la prise de fin. Allez. Eh non, prends pas le haut. Ça laisse le temps de me reposer, c'est bien. Il est presque, hein. Là, c'est un pseudo-réta que tu dois faire. Waouh, on n'est plus qu'à 10%. Elle est où la prise de fin ? C'est gris ? Ouais, c'est bleu. Bon. On va faire l'ultime essai dans cette rouge. Je suis pas sûr de la sortir, hein, clairement. La rouge. La bleue, je la ferai après. Mais là, on est sur le live, on finit avec la rouge, on termine le live et après, on verra. C'est vraiment de charger de ouf le pied. Hey. Ah putain, je prends le ballon. Le ballon, il est salopard. Mais là, j'ai pu envoyer.
Et je peux vous jurer que je suis... Celle-là, elle est trop petite pour mes doigts, je peux pas être avec mes 4 doigts. Du coup, je suis à 3 doigts dedans, j'ai le petit doigt levé et je dois tirer comme ça. C'est assez drôle. Mais du coup, j'ai trouvé la petite astuce pour pouvoir monter plus. C'est... Je charge et en fait, je viens flaguer l'autre en dessous pour basculer mon poids le plus possible là-dessus et exploser sur la préhausse. Et elle est bonne, mais le problème, c'est que compenser le ballon, il faudrait peut-être que je change les pieds pour compenser le ballon. Ou que je fasse un flag. Ouais. Je vais au moins remettre un essai dans cette roue et la France s'arrêtera là. Après le live. J'ai mis le live là, on a plus de batterie chérie en fait. Je vais voir si j'arrive à compenser le ballon. C'est la partie qui, je pense, va être la plus chiante. Et la noire, elle est encore pire en termes de gestes. Bon. Ah non, là j'ai plus. Voilà. Plus de jus dans la main. Pas grave. Allez. On va conclure le live là-dessus. Je pense que de toute façon, au niveau de l'heure, on doit pas être loin de l'heure. On doit être à la fois pas loin de l'heure et à la fois on n'est pas loin de la fin de la batterie. Ouais, bon, on avait encore un petit quart d'heure, mais on a plus de batterie. Allez. Et vous inquiétez pas, c'est des choses auxquelles on réfléchit sur comment on peut ne plus avoir de soucis de batterie. Ça va venir. Ouais, bon. La séance était cool, franchement. Pour une reprise, ça faisait un moment, j'ai un peu perdu. Et en même temps, les ouvertures sont un poil plus dures, je trouve ça sympa. Et c'est vraiment certains blocs, parce que c'est des ouvertures qu'on n'a pas l'habitude. En soi, ils sont pas durs, mais comme c'est des moves qu'on n'a pas l'habitude de faire, bah, on est un peu perdu et donc on n'y arrive pas. C'est une chose que je vous avais expliqué quand on avait été à Climb Up. C'est pas le même style d'ouverture, donc on se perd plus, donc on a plus de difficultés. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de varier les salles et même de varier les ouvreurs et les ouvertures dans les salles, parce que ça permet de pouvoir tester des ouvertures différentes, d'avoir des cibles différentes, donc les grimpeurs peuvent être plus polyvalents à la fin. C'est une bonne chose. Mais bon. Ouh, j'espère un coup. Semaine prochaine, nouveau live. Arcos Massé aussi, je pense. On verra parce qu'il y aura peut-être des changements par rapport à comment les séances de grimpe qu'on va faire. Mais du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live escalade. Non, je ne veux pas annuler, putain. L'iPhone qui, dès qu'on le secoue, il annule en fait l'écriture qu'on est en train de faire. Il demandait, tu veux que j'annule? Non, je veux pas que tu annules. Laisse-moi écrire et secouer mon téléphone dans tous les sens. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live si vous êtes sur YouTube. Vous n'avez pas pu voir le live. Et bien, venez sur Twitch, vous avez le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir retrouver justement le live. Pour savoir quand est-ce que je suis en live, venez sur Insta, vous avez aussi le lien dans la description. Vous allez pouvoir me voir en direct, poser des questions, discuter en direct et tout, c'est assez cool. Sinon, on se retrouve du coup donc la semaine prochaine pour un nouveau live. N'hésitez pas, si vous voulez savoir quand est-ce que je suis en live, à venir sur Insta. Si vous êtes sur Twitch, bah venez sur Insta. Alors, filme-moi, chérie, en fait, là, on... Oui, mais c'est moi la star. C'est moi au centre. Moi la star. Voilà. C'est pas grave. Mais du coup, merci en tout cas d'avoir suivi ce live. Donc, du coup, donc, semaine prochaine, n'hésitez pas à sur YouTube à vous abonner, à mettre un petit commentaire sur votre blog préféré. Si vous avez des conseils à me donner sur la route, si vous êtes plus expérimenté, et ben, donnez-moi des conseils sur la route, ça prend toujours.
dire. Si vous êtes plus débutant et que vous voulez apprendre des choses, bah, n'hésitez pas à me le dire. Des fois, ça peut arriver que bah, vous vous dites « Ah, j'aimerais bien travailler sur ce bloc-là, comment je peux le travailler ?» Bah, je vous dis « Ok, bah, là, on va aller sur ce bloc-là et je vais vous montrer comment on le fait. » Comme on avait fait il y a 3 semaines ou 4 semaines, on avait travaillé le flag. Même chose, n'hésitez pas à tout simplement le dire dans les commentaires. Bah, je serai toujours là pour essayer de vous donner des tips, même si je ne suis pas non plus le plus expérimenté. Et au moins, on apprend tous ensemble. Merci en tout cas d'avoir suivi. À la prochaine. Ciao, ciao le live.